Salut à tous. Alors, pour moi, c'est lendemain de fête. Il y a des petites cernasses, mais ça va. Il y a les lunettes qui cachent. C'était très, très, très sympa. Ce matin, il s'est passé un truc inhabituel. J'ai reçu un message sur Instagram d'une abonnée qui a également une chaîne, me demandant, en fait, elle passait ce midi, elle faisait une pause dans ma ville. Et elle m'a dit qui ne tente rien n'a rien. Est-ce qu'il serait possible qu'on se rencontre? Donc j'ai réfléchi, j'ai accepté, c'est-à-dire que dans une demi-heure, je vais la rencontrer. Et je trouve enfin, c'est cool, c'est la première fois. Enfin, non, j'ai déjà rencontré des abonnés, mais de cette façon, c'est la première fois. Et sinon, bah, ça va être reprise du sport. En plus, il fait beau. Pendant les 3-4 jours, j'ai pas pu, hein, après la séance d'ostéo, j'ai dit, bon, autant vraiment faire la coupure. Et ce soir, on reprend tout ça. Je vous montrerai d'ailleurs ma super tenue, comme je vous ai dit. Je vais quand même manger d'abord. Hein. Oui. Je vois que t'as encore bien mis le bazar. Hein. Ça, je peux pas le garder bien mis. C'est pas possible. Hein? Tu les bouges pas, tes grosses fesses. C'est à se demander si toi aussi t'as fait une soirée hier. Ça se trouve, t'as invité plein de potes quand on n'était pas là. J'ai bien envie de me faire ça. Je vais le chauffer. Ah ouais, mais ils mettent que c'est pour le truc sucré. Bon, ça va le faire. Avec le traditionnel chavreau et puis ça. Ça va être. Par terre ma ceinture. Je suis prête. C'est quoi ce look avec la veste? Bon, tente, hein. Ça passe. Nous y sommes. On a pris un petit café, un coca et donc je suis avec Elodie. Elodie, en fait, la chaîne. Attends, me dis pas. Les pensées des Lola Betty. C'est ça. C'est ça. Oui, c'est oh, ça. Je suis trop forte. Bah, attends, si je cadrais mieux, ça serait pas mal. Voilà. Comme je lui disais, elle a vraiment bien fait de me contacter. On est ensemble quoi? Une demi-heure? Ouais, une petite demi-heure, donc ouais. On en profite à fond. Et bah, je vous invite, je vous mettrai sa chaîne hein, en barre d'infos, c'est ce qui se fait, donc vous irez voir. Tu présentes des box. Un petit peu de vlog. Un peu de vlog. Et tout ce qui me passe par la tête, je le mets en vidéo. Voilà. Et moi, j'ai gardé mes lunettes parce que. Ça y est, je l'ai raccompagnée. Elle travaille dans le transport. Et vous savez quoi? C'était très, très, très sympa. J'ai vraiment apprécié ce petit moment. On est allé, bah, vous avez vu, on a pris un verre et puis bah, on a papoté. Et là, bah, je vais rentrer parce que j'ai du taf. Me voilà revenue. J'étais en galère depuis tout à l'heure sur Insta pour poster, reposter des stories bah, d'Elodie en fait. J'ai toujours pas trouvé, donc en fait, bon, bref, c'est pas bien grave. Je vais quand même reprendre le boulot, ça serait pas mal. Ça y est, j'ai bien avancé, je me suis changée aussi, hein, parce que j'avoue que tout à l'heure, j'avais mal évalué le rapport temps avec ma façon de m'habiller, je me suis fait une suée. Donc j'ai mis un débardeur, Elodie m'a inspirée. Qu'est-ce qu'il a? Eric va pas tarder, donc ce qui veut dire... on va partir marcher. Je vais devoir enfiler ma tenue. Le truc, c'est qu'il me manque vraiment un haut. On a acheté tout ce qu'il fallait, mais pour un temps, vraiment, quand il fait très chaud, et là, même si ça va, c'est un joli temps, ça caille un peu, donc il me faudrait un truc long. Je vais peut-être aller chez Intersport. Qu'est-ce qui se passe dans ta petite tête? Ah ben, on tourne pas le dos comme ça. Qu'est-ce que t'as? Je croyais que tu voulais discuter. Tu sais que tes yeux, ils sont assortis à mon tapis. Les yeux, le tapis. Enfin, c'est plutôt l'inverse. Oh bah, je suis sortie hier. J'ai bien envie de me faire une petite pause goûter parce que mine de rien, j'ai pas mangé des masses ce midi. Et le truc, je viens de m'en apercevoir. Bon, je sais que vous, ça ne vous concerne, mais absolument pas. Mais moi, ça craint. Je n'ai plus de café. Si j'ai pas mon café demain matin, autant dire que je ne me lève pas. Et je vous ai pas dit aussi hier soir, à la soirée, j'ai dit allez, j'invite tout le monde. Genre dans 15 jours, ou je sais plus exactement, bref, tout le monde va venir à la maison, je crois qu'on va être 9-10. C'était après deux verres, je crois. Ça reste un petit goûter tranquille, hein. Pruneau, noisette, Daily Shock, ça fait pas rêver, mais au moins ça va me tenir. Non, parce que là, vraiment, il faut que j'arrête.
ça recommence à être du n'importe quoi, les sneakers glacés, les gâteaux apéro, les chocolats. Non, c'est plus possible. Les amis, est-ce que vous êtes prêts à voir ma tenue? Attention, c'est une tenue qui fait mal aux yeux. Je préfère être claire. Voilà la tenue de l'espace. Eric m'a dit, il faut que tu prennes un truc qui pète. Faut qu'on nous voit. Et les collants. Je crois que ça rend même pas. C'est beaucoup plus pétant en vrai. Bon, bah, on est parti. Eric vient d'arriver. On est arrivé sur un des endroits où on se balade. C'est d'ailleurs magnifique, magnifique. Complètement différent de celui de la dernière fois où il y a le parcours de santé. Mais on est bien. Vous avez vu comment on est assorti ? Eric, c'est jaune fluo, lui. Oh, ça pique les yeux. Les odeurs sont là. Je vous laisse. Je vous reprends tout à l'heure. Bah, on a terminé. C'est super agréable de marcher en forêt. Le seul inconvénient, je sais pas ce que t'en penses, c'est les moucherons. Tu gobes des moucherons, mais bon, c'est parce que c'est l'automne. Mais non, c'est à l'automne, ça va peut-être ça. Mais cool, franchement, ça fait du bien. Je suis très très contente. Je crois qu'il y a le cardio qui est monté. Je suis très fière de toi, bébé. On est rentré. Et regardez, on était passé à la supérette juste avant. J'ai mon café. Ça, c'est cool. Faut que je vous montre la tête du gars qui a dormi quand même. Oh non, j'y crois pas. Réveille-toi, bébé. Enfin, non, bah, s'il te plaît. Je voulais dire quelque chose de très intéressant. Tu sais que c'est de l'eau plutôt que du coca qu'il faut boire. T'as quelque chose à dire? Non, pas ça. Oh là là. Bon, allez. Je monte, je finis de bosser et je me douche. Me voilà fin prête, douchée, je sens bon, ça fait du bien. Quand t'as sollicité comme ça tes muscles de se mettre sous une douche tiède, chaude plutôt. Je me suis préparé une petite tarte épinard chèvre pendant que je me douchais. Donc là, elle doit être prête, j'ai entendu ça sonner. Eric s'est mangé sa paella, je lui ai dit tu m'attends pas. Parce qu'il fallait que je m'avance sur le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Parce que demain, on a un jeu de programme. Il y a une naissance dans la famille, une naissance, quelqu'un de très proche. Du coup, ben, on va aller découvrir tout ça. Et puis, comme c'est à partir de 15h les visites, nous, on va y aller un petit peu en avance. Demain, c'est mercredi, il finit les cours à 11h. En fonction de comment j'ai terminé, on va peut-être aller manger là-bas. C'est à 50 km là où elle est. Donc, on va manger sur place. À 15h, on va voir le bébé. Et puis, bah, c'est cool, j'ai hâte. Je vais couper hein, parce qu'elle est entière, mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes, celles-là. C'est vraiment une tube. Ouais, ça va être très bien. J'ai tué personne, les amis. Hein. C'est le paquet de betteraves. J'avais juste oublié qu'il était ouvert. Bon, bah, j'ai plus qu'à tout nettoyer. Ah là là, je me souvenais plus. Je vous mets là. Je vais grignoter hein, juste après, avant que ce soit trop froid. Je vais clôturer maintenant. Et vraiment, Elodie, je tiens à te remercier. Tu as vraiment assuré de me contacter. Finalement, c'est une très très bonne chose. Ça, ouais, ça fait beaucoup de bien et c'est le genre de truc que j'aimerais bien renouveler. C'est très très agréable. Et franchement, bravo pour le boulot que tu fais parce que c'est pas évident du tout, du tout, du tout. Donc demain, comme je vous disais, on a une jolie journée qui nous attend. Je vais vous emmener avec moi et surtout... Très 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 important à vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes tout le temps là quand j'ai des petits coups de mou à me rebooster, les petits messages, les petits likes, bref, la famille s'agrandit en plus donc ça fait très très plaisir. Un grand merci au nouveau, à tout le monde, vraiment ça c'est cool cool cool. Je vous fais donc un gros bisou et on se retrouve demain pour un vlog qui, je l'espère, va être très sympa pour de nouvelles aventures. Tu fais un bisou, bébé. Tu dis au revoir, mon chéri. Bon, allez. Salut tout le monde. Au fait, je vais regarder la suite de XOXO, Gossip Girl.